C'est étonnant, non Qu'on me permette exceptionnellement de consacrer cette chronique à l'expulsion d'un remords qui me ronge. Je voudrais présenter ici mes excuses au pangolin. Le pangolin est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie. C'est une bête éminemment pacifique. De ma vie, je n'ai jamais eu à me plaindre d'un pangolin. Pourtant, dans un petit livre que j'ai publié il y a plus d'un an et dont je vous recommande vivement d'éviter la lecture, je m'étais permis de porter un jugement sans doute blessant et péjoratif, visant à discréditer l'image publique de ce paisible quadrupède. Comme ça, pour faire sourire, pour vendre du papier. Bassesse. Par la suite, repris par le tourbillon de la vie, mon travail, mes amours, ma santé préoccupante, puisqu'à 46 ans passés, je n'ai toujours pas de cancer, j'avais fini par oublier le pangolin. Or, mercredi dernier, l'un des prétendants de ma fille, il n'a pas fini de prétendre, ils ont neuf ans chacun. L'un des prétendants de ma fille donc est entré furibard dans mon bureau, le livre en question à la main. Euh, dis donc, t'es vraiment salaud avec les pangolins. Après lui avoir fait remarquer que ce n'était pas là le ton convenable pour s'attirer les grâces d'un beau-père potentiel, je finis par lui accorder un bref entretien sur celui de mes genoux où n'était pas le chat. Pauvre pangolin, regarde ce que t'as écrit. Et en effet, à la relecture, j'ai ressenti comme une méchante intention de blesser dans la description physique et morale que j'avais brossée du pangolin. Mais tu sais, c'était pour de rire Ouais, mais n'empêche que ça peut faire de la peine. Tu serais un pangolin, ça m'étonnerait vraiment que ça te fasse rigoler, tu vois. Il me montrait du doigt le passage incriminé. Le pangolin mesure un mètre, sa femelle s'appelle la pangoline, elle ne donne le jour qu'à un seul petit à la fois qui s'appelle Toto. Le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser que le ridicule ne tue plus. Je reconnais que j'ai tapé fort. Le mot ridicule est un peu dur. C'est ça qui te gêne. Ah oh non, ça c'est rien, c'est Toto. C'est Toto. Toto, c'est complètement idiot pour un pangolin. Mais toi, en fait, qu'est-ce que tu connais, toi, des pangolins Eh bien nous, quand, quand j'étais en vacances en Côte d'Ivoire, ben, on avait un pangolin. Et il est mort sous un camion. J'avais lâché sa laisse, il voulait pas se promener en laisse. Ah oui, c'est ça, alors tu as eu de la peine, et aujourd'hui tu n'aimes pas trop qu'on se moque des pangolins. Ben oui, pauvre Gérard. Ah parce qu'il s'appelait Gérard. Oui. Dis donc, dans tes conneries pour la radio le mercredi, tu devrais parler des pangolins pour que les enfants qui ont lu ton livre ils voient bien que c'était pour de rire. Je me sentis assez flatté à l'idée que ma mauvaise image de Marc dans son école lui était pénible. Alors bon, rectificatif. Le pangolin. Le pangolin, du malais pangoleng, qui signifie à peu près pangolin, est un mammifère édenté d'Afrique et d'Asie qui se nourrit de fourmis et de termites. Il mesure un mètre. Son corps est couvert d'écailles très très belles. Il ne ressemble pas du tout à un artichaut. Sa queue s'arrête juste bien quand il faut, c'est formidable. Quand il a faim, le pangolin a un truc que même dans la jungle, aucun fauve, il est même pas cap, tellement qu'il aurait les boules. D'abord, il trouve une fourmilière grâce à son flair super. Avec son nez pointu et ses griffes super, il s'enfonce au milieu de la fourmilière. Après, il en trouve toutes ses écailles, très très belles, qui sont de la taille d'une petite feuille d'artichaut mais très très belles. À ce moment-là, le pangola réfléchit très fort avec sa concentration, et une petite goutte sucrée comme du miel se met à suinter sous chaque écaille. Et alors, toutes les fourmis, des milliers, des millions de fourmis se jettent dessus. Et le pangolin, sans rigoler, alors que ça chatouille, mais il est super concentré. Le pangolin attend que les fourmis soient arrivées et clac, il referme toutes les écailles. Après, il sort de la fourmilière, il va dans un coin tranquille, il rouvre ses écailles, il se secoue très fort et les fourmis tombent autour. Et il les mange. C'est une bête formidable. Sauf qu'elle traverse sans garder, et ça c'est très dangereux. La femelle du pangolin s'appelle la pangoline. Elle donne le jour à un seul petit à la fois, qui s'appelle Gérard. Quant au mois de mars, je le dis sans qu'une arrière-pensée me ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non